sur moi, étant bien installé, peut-être même demain, pour vous faire comprendre. Parce que depuis là, j'ai fait une annonce comme quoi je devais faire un direct. J'ai eu des empêchements. Vous savez, je vous ai dit que ma vie ne m'appartient plus. Je peux annoncer que je fais le direct demain. Demain, j'ai un empêchement. Comme là, à l'heure où nous parlons, là, Marie-Josée est là. Ma mère, elle est là. Donc, je peux lancer demain, là, que je suis en train de parler. Elle vient mettre sa bouche dans mes choses. Ça noque mon direct. Mais ce qui est sûr, je dis, je réitère. Toutes ces personnes qui ont clashé mon grand frère par rapport à parce qu'il a parlé des femmes qui vendent leur corps, hein, et qui assument, celles qui se sont senties mauvaises se sont mouchées. Donc, mon grand frère a parlé, il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Et en parlant, ce que leurs parents, leurs mamans, leurs soeurs, je n'ai pas envie de parler ici, j'ai dit ça. Je vais parler ça quand il serait chez moi. Hein? Vous avez reconnu vos noms. Vous êtes venu montrer que vous assumez, vous êtes les ambassadeurs de Mbok. Les ambassadrices des vendeuses de piments. Vous vous asseyez sur mon grand frère. Vous venez lui manquer de respect. On va dans ce manque de respect. On va vous faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord de venir faire la propagande sur les réseaux sociaux. Faisons nos merdes, nos vies ailleurs, comme on veut. Vendons même nos langues, nos derrière, nos machins, même comme on veut. Mais ne venez pas faire la propagande sur la toile. Vous nous affichez. Donc, moi, il veut parler. Celui que ça va énerver, qui ne saute pas, il calme en l'air, il descend, son pied se casse. C'est ça qui est ça. Donc, c'est de ça que je veux parler. Parce que ça avait toujours été mon combat ici sur la toile. Quand ils sont arrivés sur la toile, c'est des trucs comme ça que je venais combattre. Donc, moi, je veux parler de ça. Et dire à toutes ces personnes qui sont venues s'asseoir, clasher, mon grand frère Jean Lumessan. Hein? Même celle-là qui vend ses enfants là-bas, là. Celle qui conçoit pour faire la vente des enfants. Je veux m'occuper d'elle aussi. Celle qui ne se lave pas, là, qui est la grosse patate qui est en Allemagne, là. Qui fait des enfants pour vendre, là. Celle qui fait le trafic de tout, de drogue, de bébés dans le ventre. Celle qui vend les enfants étant dans le ventre. Elle, là aussi, je vais lui donner sa dose. Celle qui fume, ça sort par derrière, partout, là. La sale chose, la plus sale chose que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Qui ne vaut même pas la cheville de Jean-Lumessan. Tu viens pas. T'as dit, même la dernière du village, des Bicocs, tu ne vaut pas. Toi, la salotologue, là, t'es une merde, toi. Demain, je vais m'asseoir sur vous. Je vais vous laver comme on vous a jamais lavé à mon niveau. Je vais envoyer le cœur pour un grand monsieur qui est dans la salle. Envoyez le cœur pour ce monsieur-là, c'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon petit frère. Je bois ce whisky. C'est déjà fini. Je bois ce whisky. Oh non. Joyeux anniversaire, monsieur Teke Gabriel. Que le Seigneur te bénisse. J'étais déjà béni dans la journée, mais je te rebénis. C'est le pape qui te bénit. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton week-end soit béni. Que tout ce que tu désires, tu puisses l'obtenir. Tout ce que tu touches va se transformer en or, mon petit. Le petit frère du pape, c'est le pape. Et David Eto a dit que Eto fils, c'est lui. Donc, je suis le pape. Tu es le petit frère du pape. Après moi, c'est toi. C'est ça qui est ça. Oui, mon petit. Joyeux anniversaire. On se retrouve au bateau Bayou tout à l'heure. On nous a envoyé les billets d'invitation. Moi, j'ai commencé ici. Je suis une touriste. Donc, il y a un jokala tout à l'heure, quelque part. Je suis derrière eux, là. Je suis la voisine. C'est aussi l'anniversaire de la voisine. Vous êtes nés les mêmes périodes. C'est pour ça que vous êtes les sorciers comme ça. C'est pour ça que les gens vous adorent. Tu vois, non? Voilà. Elle, c'est le 9. Toi, c'est aujourd'hui. J'espère qu'on t'a fait un massage caraboutia. Aïe. Voisine, on t'a fait un massage caraboutia. Non. Aïe. Ça se passe comment? Je vais te donner le secret. Voilà. Massage caraboutia. J'espère qu'on a fait le massage caraboutia à Eteke Gabriel. Mon petit, demain là, tu n'es plus un petit, tu es un tété maintenant. T'as dit, demain reste connecté. Je vais, avant de commencer mon... Je montre d'abord le massage caraboutia. C'est-à-dire, quand on te fait le massage caraboutia, même si la femme l'était comment, même si l'homme l'est comment, tu calmes. Mon petit,
Nangala a dit qu'elle est forte aux fesses. Qu'est-ce que c'est sur toi avec ces fesses-là? Ah! Il dit bien, massage karabutia. Allez chercher dans le dictionnaire, vous allez trouver ce qu'on appelle massage karabutia. Les filles qui sont fortes aux fesses, qu'est-ce qu'elles peuvent le faire? C'est ça qui est ça. Abimité, comme vous dites vous-même. Maman. J'ai dit, demain là, demain là, comme on dit que chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Oh, c'est ça qui est ça demain. Vous allez lire. Comme maintenant, il y a la paix sur Facebook, vous n'aimez pas la paix. Vous cherchez toujours l'époux. Vous cherchez tout. Vous savez bien sur la toile là que Jean-Louis me sent, c'est mon grand frère. Donc quand vous venez vous attaquer à lui, vous attaquez à moi. Quand vous clashez me sang, c'est que vous me clashez moi. C'est ça qui est ça d'abord. Vous clashez me Jean-Louis me sang. Vous me, ça veut dire que c'est moi que vous clashez. Et puis l'autre qui a le nez comme le coup de poing, qui est venu dire qu'on a clashé ton grand frère, tu n'as rien dit. Il vient donc dire quelque chose maintenant. Vous aimez ça non? Demain là, dès que vous me voyez connecté, je veux danser d'abord deux chansons. Après j'engage. Oui. Oui. Si ça me dépasse, parce que... Pardon, mon neveu m'a dit aujourd'hui qu'il ne veut pas entendre que je... Je lui ai dit que laisse, je parle d'abord. Le pape doit d'abord commencer. J'engage et puis termine. C'est comme ça. J'engage et il termine. Parce que moi, je ne parle plus beaucoup maintenant. Hein. Maintenant, moi, je peux trop parler. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, comme il le faut, et puis je pars. Oui. Celle qui est en Allemagne, là, qui passe son temps, c'est-à-dire toutes les saisons, elle enfante pour vendre. C'est-à-dire, elle vit aux dépens de son ventre. Elle vit aux dépens de son ventre. C'est-à-dire, tous les mois, elle est obligée de porter les grossesses. C'est-à-dire, ce n'est même pas... On dit souvent qu'une grossesse, c'est 9 mois. Mais elle, c'est tous les mois qu'elle est enceinte. Allez. Vous ne l'avez pas vu il y a pas longtemps. Vous ne la voyez pas pourquoi? Parce qu'elle était en prison. Avec la période courte, ça va faire super bien. Ouais. Avec la période courte. C'est comme oui. Si ça va, ça m'a fait quand elle mangeait, ça fait ça. Avec la période. Mais ta période, tu vas voir. Ça fait comme si je mange, ça gratte. Même celle qui n'a pas qui n'existe même pas, vient s'asseoir aussi. Parler de Jean-Louis Messin. Tata, ainsi, Dieu. Celle qui est enceinte, étant dans le ventre, on est à réserver l'enfant. L'autre dit là-bas que j'ai 3 000. Et elle vend les enfants de la combien? Tu vends les enfants de la combien même jusqu'à tu vas venir t'asseoir? Ou à quoi, mais bon, tu parles aux gens, toi, un objet comme toi. Même les lunettes ne sont pas comme ça. Chambre. Autre. Mais c'est pas trop long. Mets d'abord la perruque. Mets la perruque. Avec la perruque courte, je suis sûr que ça va aller. C'est vrai que c'est comme les lampadaires. Oui. C'est comme les essuie-glaces. Essuie-glaces. Mais sinon, elle, très, elle maquille très bien. Elle maquille très bien, mais c'est trop long. Comme tu es encore gringala alors, hein. Tu es comme ça. Zozonga mon frère, les Kbemdenga, mon béni s'assoit aussi. Maman. Et Facebook. Facebook. Une gars, t'as dit, il y a les filles qui sont noires ici. Quand tu vois une noire. De ma fille. Tu connais mes filles. Noire propre. C'est-à-dire quand tu vois une fille noire, elle est propre. C'est-à-dire qu'elle est noire, mais propre. La peau est bien soignée. Celle-là, même lui, le manyanga, même, elle ne met pas sur le corps. Une fille qui a les pieds blancs, blancs, blancs. Sale. Crade. Tu es crade. Tu viens t'asseoir, saloto. Jusqu'à toi aussi, tu vas venir parler. Les gens parlent, toi aussi, tu viens parler. Toi qui pue la cigarette. Tu
Comment quelqu'un peut être enceinte? Elle tombe enceinte seulement pour vendre l'enfant dans le ventre. Moi, j'ai jamais vu ça. Oh. Quelqu'un tombe enceinte parce qu'elle sait que quand elle est enceinte, elle sait que quelqu'un va reconnaître l'enfant dans son pays là-bas. On va lui donner de l'argent. Une perdue de la nature. Et les sales, les pieds, le derrière de ses pieds là sont fendillés, fendillés là comme les mbororo. Eh bien, ça ne soit pas aux gens. Mais bilan. Quand je parle, j'ai la nausée. Attendez, je bois un coup parce que. Il y a le kaolin ici. Tiens. Non. Oh. Tiens, vas-y. J'ai la nausée. J'ai pas. J'ai dit que je suis en direct, on va reconnaître la voix là-bas que si c'est les amoureux. Hervé pour nous tous. Je suis avec Hervé maintenant. Naï, Hervé, c'est sollicité. Hein? Toujours Hervé là. Hervé. Je vais appeler Gagou. Mon gars, non. Je vais appeler Gagou tout à l'heure. Oui. Gagou va bagarrer ici. Ouais, il m'a pourquoi. Je suis venu, attends, c'est la semaine dernière. Je suis venu chercher William, j'arrive. William, dit bonjour. Puis... Tantôt que tu t'es coiffé, je suis sorti de chez le coiffeur. Je ne l'ai pas vu, elle ne l'a pas vu encore. Mais... Alors, le soir, je lui ai dit, tiens, elle a eu l'air, t'as pas remarqué quelque chose? Non, il y a un eu l'air. La première chose qu'elle a dit, j'ai dit, tantôt, tu t'es coiffé. Là, j'ai même pas vu. Ça y est, elle commence à être amoureuse de toi aussi. Nous, tous les affaires là vont t'arracher, cher. Aïe, aïe, aïe. Non, mais. Franchement. Parlons peu. Hein? Blague à part, bien à côté. Quand vous me regardez là, vous regardez la Samoto là, vous voyez que elle et moi là, franchement, laissons Facebook. Laissons Facebook de côté. Cette chose là, cet objet de drogue là, ce machin. Que les Nadja bouillent juste pour reconnaître, pour avoir le kaolo. Bien aussi s'asseoir. L'autre là-bas dit qu'elle est pimentier international, elle a les cartes bleues, mais frabica. Il faut laisser, j'ai dit que chacun va prendre son domaine. Il faut laisser les frabiqueuses des perruques, les filles qui se battent. Vous avez déjà les cartes bleues, ça veut dire que vous avez les Namankri qui vous donnent les 1 500 €. Vous êtes les propriétaires des immeubles en France, soi-disant. Mais vous allez vous serrer encore la taque dans les perruques. Parce que là où je suis là, je veux que tu me loges. Tu vas me loger. Tu avais dit que tu voulais me loger, non? Comme il dormait sous le pont. Moi, j'ai fait la chute. Je sais pas. Elle va amoureuse de Sangassi jusqu'à. T'es très amoureuse, c'est-à-dire quand vous vous regardez, elle là-bas, elle est. Quand j'ai dit voisine, je t'amène à manger. Non, tu sais, Hervé. Maman. Elle est. Ouh là 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 là. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie d'être amoureuse, les deux gens se te font. Tu cherches seulement ton amoureux. Les deux, si. Son pied, mon pied. Les deux là. Voilà aussi l'autre qui dit là-bas que tu es belle chérie. Dis aussi à ta chérie qu'elle est belle. Oui, je sais qu'elle sait qu'elle est belle. Voilà. Hier, moi, Anne est en train de regarder dans les yeux. Maman, tu es là-bas. Tes oreilles sont seulement dans le Congo. Le Congo est légalisé. Le Congo est légalisé. Oh, maman. Quand il voit les amoureux, comment ça fait du bien. L'autre dit au téléphone là-bas que tu es belle, je t'aime. Richard, j'ai parlé, regardez où ses yeux partent. Hein. Regarde. Nous sommes les arbitres. Donc, nous sommes les tueurs. Ils sont là, ils sont amoureux. Ouais,
Je parle ici là, Anne est là-bas, elle regarde son doudou là-bas là comme ça là, elle veut les yeux doux. Lui aussi non, regarde aussi. Tu vas encore nous dire bonjour. Qui, doudou? Oui. Doudou dort. J'ai dit que j'ai dit qu'il doit dormir. Il est pas, peut-être. Il faut qu'il dorme. Pourquoi? Il est malade, il a la grippe. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Doudou! Hé! Hey! Maman! Aïe! Christian est mon accord, mon fils. Tu vas être le premier à monter dedans, dans cette voiture. Chris, tu as vu ma voiture, non? Oui. Elle est comment? Elle est petite ou elle est grosse? Ah non, il dit, mais non, elle est grosse. Chaque jour, il y a les nouveaux dossiers. C'est un paquebot. Oui. Poum. Je suis petite comme ça, mais... Parce, je ne voyais pas la caméra, hein. Je suis une petite femme, hein. 38, hein. Oui, 38. Quand je monte dans le camion, j'ai dit que vous, là, qui me manquez, vous cognez avec ça. Boum. 38 ans. 38 ans. Une vieille mamie de mon âge, là. 38, j'ai fait 38 ans. Oui, c'est ce que je viens de dire. 38 ans, t'as 38 ans. Ah non, 38, taille 38. Ah aussi, oui. Voilà, petit modèle. C'est qui est ça? Je vais vous cogner avec ma voiture maintenant quand vous m'énervez. Boum! Quand j'accélère, une fois ça fait ouh! Ouh! C'est doudou! C'est doudou! Voisine, tu n'as pas encore arrosé la voiture que ton frère m'a offert. Hein? Ou c'est parce que tu es jalouse que. Hein? Donc tu me dis qu'elle finit ton whisky. Vous avez vu, non? Elle m'affiche. Je vais prendre les deux bouteilles que tu as achevées. Je vais prendre la voisine. Voisine, ton frère m'a offert la voiture. Vous avez insulté mon gars ici. Je sais. Voilà. Quand il partage tes deux là. Alors, c'est ça qui est ça. Voisine, il est en train de mettre un son dedans, hein. Tous les jours, il y a un nouveau dossier à Rouen. Quand la voisine achète les Timberland là-bas, le gars m'achète la voiture là-bas, c'est grave. Ça se gâte dans Rouen. Mauvais. Ah! Qui? Doudou. Doudou, tu as fait fort, maman. Elle n'a plus la voiture, elle n'a plus de voiture. Elle m'a chapié. Doudou dit que non. Je t'ai assumé, donc tu ne marches pas à pied. C'était avant. C'était avant. Prends. Ça, c'est le goût de ça. Le goût de... C'est une restonne. Hein. Ma voiture, c'est une restonne. Attends, d'abord le nom. Christelle Monaco, tu viens, je te porte. Je te fais d'abord un bon poisson brisé. Tu manges avec un bon vin blanc. Oui, mon fils. Je t'ai dit ça. Tu ne marches pas à pied. Je sais que tu as ta voiture, mais ma voiture là, c'est la Reston. Oui, c'est le 4x4, ça fait ouh. Quand il démarre, ça fait ouh. Ça boit l'essence. Vas-y, la déclaration en descente. Il dit que. C'est ça que tu dis, petit comme ça. Hey, pardon, la renaissance, elle est effective. Les gars du pays, ça va mieux, les gars. Ah, si c'est moi, j'aime le Congo, ça alors. Eve, quand est-ce que vous vous mariez, Anne et toi? On va perpétuer, grave. Vous vous mariez quand? Tu entends qu'on va, on va aller me doter parce qu'on a entendu que l'autre est allé donner les porcs. Et lui, il dit qu'il va aussi aller me doter. On va, il va aller jeter la doter. C'est pour ça qu'il demande aussi. Voisine, voisine, tes oreilles. Tu es comme une petite zombie quand même. Hein? Elle s'aime à quoi? Je vais vous raconter une histoire. Préparez-vous à rigoler. Les yeux, voisine, je vais te raconter une histoire. Courte, ça va bien.
voisine, au pays, non? Je sortais avec un white, un allemand. Il me dit, viens chercher ton père et ta mère. J'avais fait des tresses. Tu vois les tresses avec le fil là. Oui. Donc les tresses, on appelait ça chez nous les suis-moi. Tu vois les tresses là, non? On appelait ça les suis-moi. Je sortais avec un Allemand en fait. C'était il était un chauve comme ça là. Et puis il vient me chercher un soir, il vient me chercher. Il vient me chercher et tout. Il me dit, ouh là là, qu'est-ce que tu ressembles à une zombie? Maman, la tue. J'ai dit merci. Ok. Non, j'ai dit merci. Pour moi, c'était un compliment. Quand je rentre pas à ma soeur, qu'on a dit que, il m'a dit que j'étais trop belle. Il a dit que je ressemble à une zombie. Elle dit que quoi, il t'a insulté. Attends, tu savais pas c'était quoi zombie. Il dit, ouh là là, qu'est-ce que tu ressembles à une zombie, ma poupée? Puisqu'il a mis, qu'est-ce que tu ressembles à une zombie? Après, il m'a fait le bisou. Maman était contente jusqu'à qu'on a dit que je ressemble à une zombie. Oui, tu. Insulte les gens, tu. Moi-même. Il dit que je ressemble à une. Ou qu'est-ce que tu ressembles à une zombie, ma poupée? J'étais contente comme ça. Le gars m'a insulté. M'a insulté. Que je ressemble à une zombie. C'est bon. Et... Oui, ça te va, c'est joli. Ouais. Tu sais que ta fille là-haut s'est marquée. Vous avez payé, j'espère. Là, je l'ai donné en grâce pour 9 mois de grossesse. C'est gratuit. Tu fais tes chaussures? Non, je vais m'en avoir. Moi, je peux faire des make-up comme ça. Hein. Si je fais ça toute la soirée, je vais avoir mal aux yeux. J'arrive pas. Ne riez pas. Moi, je vous dis, est-ce que moi, je fais le congo sur moi-même? Les choses, je vous ai dit que. Les choses que les gens viennent vous raconter sur la toile là que oh ngos pute, ngos machin, ngos ceci, ils ne me connaissent pas. Moi je parle de moi-même. Personne là ne me connaît. Personne ne me connaît. Quand moi je vais donner mon dossier là, comme on dit tous les jours il y a un nouveau dossier, comme pour l'autre. Oui. Personne ne connaît ma chose. Personne. J'ai les dossiers que c'est comment vous raconter mes dossiers, vous allez rire, vous allez être par terre. On a dit qu'il était comme une zombie, non? Hein? J'étais contente. Alors tu ressembles à une zombie, ma poupée, maman? Hé! Yigi! Jusqu'à. Il y avait les ngala à monter en rouge là. Comme elle voyait que tout le temps, j'étais toujours avec les watts. Elle me dit que ma fille, on va t'amener à l'est. On va t'amener à l'est. Il va seulement t'épouser. Je n'ai pas aidé à ma mère me dit que c'est faux. Ça, ils te mentent, ils vont aller même plutôt prendre tes chances. Mais ça, mon ami, vous donnez les mêmes conseils ici. Vous avez vu. Merci, merci, merci. Moins d'un an. Hein? Comment confirmer, on m'a donné les clés. Que non, tu mérites. Mais à condition que tu arrêtes les bêtises sur Facebook. C'est la condition qu'on m'a donnée, mais... Comme on m'avait alors vendu au village, je vais faire comment? Oui! Voilà. Voilà. Elle veut que tu ailles monter sa fermeture. Vous connaissez? Elle a été s'habiller, elle appelle. Il faut qu'elle a monté la fermeture. Et l'amour est digne. Est digne! Il digne l'amour de ça. Attendez. Hein? Je te pas. Une personne qui t'avait appelé, tu t'en dirais comme ça. Personne dit, maman, père, je t'ai vu aujourd'hui, tu m'as chargé. Avec la poussette. Je me rappelle. Je me rappelle. Mes larmes. On t'a vu, tu marchais à pied dans un rond-point. Avec la poussette. On t'a marché à pied. Aujourd'hui là, Gagou, il y a un patron. On ne me paye pas la fin du mois. Le matin, il m'a déposé. Je m'avais cherché. C'est ça qui est ça. Il fait comment? Aujourd'hui, alors, on m'a lavé comme ta voiture. Là, tu ne peux pas laver ça. Comment? Il va l'aspirer. Je vais laver. Parce que quand il va à l'école lundi, la voiture doit être comme elle-même. Nickel. Demain là,
tous les jours, il y a un nouveau dossier. Parce que quand on reste tranquille, les gens se disent que wow, on a peur. Non, moi je n'ai peur de personne. La seule personne qui m'avait fait peur ici, là, parce qu'elle avait dit qu'elle est partie au Niger, on lui a donné une bague qu'il faut qu'elle me touche avec, j'ai fui. Tu me touches, tu pars en prison, nous sommes en France, hein. Nous ne sommes pas en Afrique. Déjà, moi, je suis une prématurée. Tu fais fou, là, je tombe. Du bail me. Vous me dites d'aller travailler tous les jours, non? Viens me nac. Tu vas me bailler seulement. La personne qui va tenter un jour encore de faire comme s'il veut faire, comme s'il veut mettre sa main sur moi. Je deviens riche derrière toi. Oui. C'était avant que j'étais encore jeune, des petites bambes. J'étais encore bambambé. Oh, viens, on se voit, on va bagarrer. C'est plus de mon langage, ça. Tu me touches? Si ce n'est pas comme au pays, on dit qu'allez rédiger votre plainte. Non. Tu t'assois. Oui, on m'a tapé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que... Vous savez lire? Non. Ok. Bon, vous avez dit, on te relit ça. On te demande de signer. Si tu fais l'erreur, là, j'ai dit que non, je n'avais pas dit ça. C'est pas ce que j'avais dit. Je mens. Hein? Quand tu ne sais pas lire, tu vas porter plainte. Qu'est-ce qui se passe? Soit on redige ta plainte eux-mêmes. Voilà. Voilà. C'est un Français. Et en plus, un Parisien. En plus, un vrai Parisien. Voilà. Voilà. Né à Paris. Né à Paris, grandi à Paris. C'est ce que je vous dis là. Ce n'est pas un Parisien que peau noire, hein, comme nous là, qu'on vient dans le pays, des gens disent que nous sommes les Français là. Ce n'est pas ça. C'est le Mekat. Oui, blanc. C'est un blanc qui parle. Donc vous me touchez. Quelqu'un me touche. Je n'appelle pas à nos secours. Parce qu'elle fait son régime là, elle fait sa force là, c'est pour elle. Je n'appelle personne à me venger. Je porte plainte. Oui. Je te porte plainte. Donc, comme toi, tu as tendance toujours de quitter toi, la mère pondeuse, c'est la mère pondeuse de l'Allemagne. Comme tu as tendance à partir, j'ai appris que le type chez qui elle partait souvent, machin l'a porté, les bagues là, et mon nom. Ce n'est pas le type là qui était au Nigeria là. Il n'est pas mort. Le Biafra là, il est mon nom. Où elle partait prendre les bagues là, où elle disait qu'on a dit qu'il faut qu'elle me touche avec ça. Ce soir, je choisis. Il est mon nom. Ah, ça diminue ta puissance. Donc, le jour que tu dis que tu viens, j'ai gagné l'autre jour à la fois la balle de baseball. J'ai ça maintenant dans la voiture. Je cogne vos tibias et vos genoux avec ça. C'est ça qui est ça maintenant. Mm-hmm. C'est avec ça maintenant que je marche dans la voiture avec. Parlez comme vous parlez seulement sur ça. Ça s'arrête sur les réseaux sociaux là. Ne faites pas comme si j'entendais que vous dites que vous allez descendre à Rouen. Vous allez faire ici, ça. Mm-mm. On est dans un pays de droit maintenant là. Vous parlez fort. On rédige. Tu as tort, on te met de côté. J'ai tort, on me met de côté. C'est ça qui est ça. Si j'ai faim, tu vas seulement me donner à manger. Ma carole était très bon. Moi, j'ai mangé ça. C'est très, très bon. J'ai moi dit, tu mettais son caleçon, n'est-ce pas? Non, mais... Ah, j'ai dit, non? Ah, je tu, connais. Tu répètes, je te... Non, je répète pas, mais je sais. Mais je sais déjà, j'avais déjà dit ça ici. Voilà. Je suis un vieux singe. Pour ma propre les grimaces, je connais tout ça. Oui, c'est comme ça. Parce que quand on reste tranquille là maintenant, parce qu'on a dit que oh non, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, nous sommes des grandes personnes. Demain, je veux porter quoi? Pardon. Je vais vous laisser parce que nous voilà l'anniversaire. J'aurais besoin de vous montrer comment ça se passe là-bas. Je ne suis pas sûr que je vais mettre long. Moi, je vais rentrer vite. La matière est là. Donc, je vais rentrer, profiter de la matière. Cette chose qui est en Allemagne, qui tape sa mère là. Tu es maudite depuis. Tu discutes les hommes avec ta mère. Chouan en bongé.
Maman, le nouveau Njansan que je mets ici, là, ce n'est pas tes métis hein, que je mets là-haut. C'est café au lait. Oh. Vrai, vrai, ce n'est pas tes métis. Je mets plus. Vrai, vrai. Doudou m'a dit que lui, les machins de Njansan qui agressent la poule, il ne veut plus. Vrai, vrai, le Njansan qu'il met maintenant, là, ce n'est pas tes métis. Hein. Pour de vrai, ce n'est pas tes métis. Là-dedans, il y a quoi? J'ai mis. Voisine. Voisine, tu quoi? Voisine. C'est vraiment ton ami. Tu vois, ça ne va pas donner avec le rouge, non? Non. Ah, si je m'en vais aller, c'est loin. C'est bon. Oui. Oui, parce qu'elle est plus haute. Ça, et ça va avec. Eh oui. Oui. Ok. Oui. Pareil, Yves Saint-Laurent, le sac. Mais où est le sac d'abord, là, Yves Saint-Laurent, c'est tu, Yves Saint-Laurent? Non, mais il y a le sac aussi. Il était dit, tu es venu avec moi. Bien sûr. Viens déjà le voler, vas-y. Non, 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 voici ce voisin. Vas-y, c'est bien me fouiller. Mon voisin, tu fais comme si on partait dans un restaurant 5 étoiles. Non, 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 mais nous avançons. C'est son anniversaire, non? C'est comment? Il faut que je couvre et discuter la place. Avec mes tatouages. C'est quelle couleur ça? Quoi? T'as Yves Saint-Laurent là? Noir. C'est noir ça? Oui. Oui. C'est noir ou c'est une bordeaux? Dont on avait des hommes que tu ne sais pas lire, même 1 plus 1 égale 2. Oui, c'est vrai parce que je ne vois pas de gens. Non, mais c'est vrai. 1 plus 1, tu dis 6. Non, mais c'est vrai. C'est noir ou c'est bordeaux? Non, c'est noir. Ouais, maman, pépé. C'est-à-dire que de loin. Noir, 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 foncé. Ouais. Noir, vernis. C'est bien. Hein? C'est noir, noir. Elle me dérange, non? Non, je ne dérange pas pour de vrai. Je ne vois pas bien. Je vois comme si c'était un rouge foncé. Parce que j'ai ça. Oui, tu vois un plus comme ça. Quoi. Vois, merci. Je vois un plus comme ça. Moi, c'est cette couleur que je sens. Ça dépend après de la lumière. Ou Là, c'est violet, là, on dirait. Non, mais là, quand je vois comme ça. Ça, c'est un bordeaux. Ça, c'est un bordeaux foncé. Ah, c'est là, noir. C'est le noir. Mais c'est noir, ça. C'est tout noir. Ouais. Un peu, c'est le caractère. Attends, mais c'est pas... viens un peu. Vas-y. Elle est belle. Mais c'est quelle matière? Elle est belle. Touche. C'est quand même 750 euros, voisine. Non, voisine, je suis en train de demander la matière. Je suis quand même une ancienne dans ça. Voilà. C'est pour ça que je te demande. La même que tu refais là-bas, non? Elle est belle comme ça, là. Non, 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 vas-y, il fallait mettre. Je vous ai dit, je vais vous apprendre ça jusqu'à quand. Tu es très grande de taille. Attendez, hein, attendez. Non, non, c'est pas joli. Pourquoi? Non, c'est pas joli quand tu es trop grande déjà. Non, c'est bien. Non. Mais on va pas lâcher, regardez, la femme de l'autre là, c'est, s'appelle comment là encore? La femme de l'ancien président là. Celui le court là qui est en prison. Ah oui, Carla Bruni. Carla Bruni. Tu as vu comment elle s'habille? Ses talons, elle met toujours des petits talons comme ça. Même ça, c'est trop. Même ça, c'est très haut. Les petits talons, voilà, les talons comme ça. Les talons hauts, habillés, c'est plus. Mais regarde, par contre, voilà, parce que quand tu es grand. Là, on ne voit pas la chaussure. On ne voit pas la chaussure. Oui, mais c'est pour ça que j'ai envie de te dire. Ce n'est pas que ce n'est pas beau, c'est beau. Mais quand une femme est grande de taille, franchement, tu. Pourquoi on a créé les talons comme ça? C'est pour les petites femmes, petites de taille. Ce n'est pas beau. Non, ce n'est pas beau. Moi, j'ai une maladie. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'aime bien. Est-ce que je mens? Non, justement, c'est pour ça. Regarde Victoria Beckham. Tu vois quand elle met les chaussures hautes? C'est très beau. Mais quand tu es grande, tu mets les talons, ce n'est plus beau. Non, c'est bien. Non. Franchement, dans la mode, c'est pas joli, joli. Maintenant, fais une belle vidéo. Tu es d'accord avec moi? Un petit peu, ouais. Merci. Parce que quand tu es trop grande, tu dois mettre les talons un peu. Celle que tu venais de dire s'appelle qui là? Carla Bruni. Carla Bruni, quand elle s'habille, elle met les petits talons parce qu'elle est déjà grande et c'est plus élégant. Elle est plus grande que son mari. Oui, mais lui, il est vraiment petit aussi. Ouais, donc, et c'est plus élégant encore. Hein. Ouais. Moi, je ne vais pas tromper ma voisine. Hein. Elle est belle là, mais. Merci. Quand tu. Vive la taille. Regarde quand une femme est petite de corps. L'ancien. Basketteur là, il s'appelle comment? Jordan. Non, Parker. Les mannequins. Parker. Tony Parker. Son ancienne femme là s'appelle qui? Eva Longoria. Eva. Ouais. Tu as vu Eva en talon? Vas-y. Oui.
Non. Et là, tu ne mets pas de collier. Hein, quand non, tu vas non, mettre non, ça. Rien. Eva Longoria, regarde comment elle est en talons. Toujours. C'est parce que quand tu es petite, c'est fait pour les femmes petites. Et ouais, ça fait que tu es élégante. Regarde comment elle va marcher maintenant. Elle va pas marcher comme... Tu vas pas marcher comme une échotée. Les échottées. Et toi, tu as un nouveau dossier. Vrai, vrai. T'es belle. T'as une belle robe. Hé. Et moi, son chéri, regarde. Hé, hey, Dieu. Hé. Elle est comme elle est un mannequin déjà. Regarde tout gringa. Le mannequin de ça. Voisine. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer sur Facebook. Hé. Hey. Là, c'est la bombe en direct sur mon fils là. Je suis en direct là. Attends. Le petit crevard là, il est où? Qui vient voir sa mère? Regarde, le petit crevard, regarde, mets-toi ici, voisine. Le petit crevard là, vient voir sa mère. Petit crevard, viens voir ta mère. Regarde comme elle est, comme une petite poupée. Hein. Alors. Fais comme ça là. C'est pas les lorettes. Alors. Dis-lui un mot gentil, non, dis mon fils. Coucou mon amour de fils, c'est le jour de ta maman aujourd'hui. Tu m'as souhaité joyeux anniversaire, je te dis merci. Dis la vérité, t'as envoyé quelque chose. Merci, moi j'ai eu boire deux rinards avec les sucres que tu m'as envoyé. Bisous. Bande de crevards. Bye bye, vous êtes bien. Bisous tout à l'heure. Ciao.